Bonjour et bienvenue dans cette vidéo comique, ou triste, c'est un peu comme vous voulez, mais c'est tout simplement pour faire le point sur le stream qui a été annulé une seconde fois par BioWare. Alors je n'aime pas vraiment quand les gens partagent de fausses informations, donc je me sens un peu obligé d'en parler. Alors le stream qui était planifié pour hier a été donc annulé au dernier moment, car apparemment il y aurait des problèmes sur leur ligne internet. Et ça serait lié à leur fournisseur d'accès, donc pas à BioWare, et cette information serait donc vraie. Je dis ça car beaucoup de gens énervés, surtout qu'il est extrêmement difficile de supporter Anthem depuis sa sortie qui est un peu désastreuse, se prennent encore une colère énorme de la part des fans et bien sûr des gens qui trouvent toujours ça drôle de tirer sur les ambulances. Alors je vais être honnête, je ne défends pas vraiment BioWare sur ce coup-là. Alors oui, c'est un imprévu bête et ce n'est pas de leur faute, mais de prévenir seulement 20 à 30 minutes à l'avance, c'est déjà une mauvaise chose en soi. Et vu que Jesse Anderson en a parlé sur son Twitter, ils ont apparemment testé une seconde ligne internet et leur stream laguait. Alors, personnellement, vu que je stream un peu, du coup, je connais un peu quelques ficelles, on va dire, il suffisait de baisser le bitrate. Honnêtement, je pense pas que leur deuxième connexion soit vraiment pourrie, donc je pense qu'il suffisait simplement de baisser le bitrate. Voire même d'utiliser le 4G d'un téléphone, et ne rigolez pas, car personnellement, je peux streamer avec du 4G à 2500 bitrate, qui est au final pas mauvais pour du 720p. Surtout qu'ils sont aussi partenaires avec Twitch, donc cela devrait les aider. Dans tous les cas, pour résumer, ce n'est pas la faute de BioWare, ils ne nous ont pas menti comme beaucoup le disent et beaucoup pensent, mais j'avouerai qu'ils ne sont pas très bons pour trouver des solutions pour contourner les problèmes. Et pour finir avec la nouvelle la plus importante, la mise à jour n'est pas retardée, en tout cas c'est ce que Jesse Anderson nous a dit, donc on peut facilement déduire que la mise à jour d'avril arrivera en fin de semaine prochaine, car le stream a été reporté au mardi 23 avril, donc on peut facilement déduire que la mise à jour arrivera les jours suivants. Ça sera tout pour cette vidéo. Personnellement, je sais pas trop quoi ajouter. Je continue à streamer, personnellement. Le prochain stream va être demain, sûrement fin d'après-midi. J'essaye toujours de passer partenaire avec Twitch, hein, parce qu'on n'est pas tous chanceux, comme BioWare. Et vous êtes les bienvenus pour venir regarder. Du coup, passez une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On essaye, le peu de fans qui restent de Anthem, on essaye de supporter la chose du bout des bras, du bout des doigts même. C'est dur, mais voilà. Vraiment, BioWare, c'est comique. Honnêtement, à des moments, il faut plus en rire qu'autre chose, mais ça devient un peu comique et un peu absurde. Ça devient absurde, surtout. Ça devient très, très absurde. Dans tous les cas, à la prochaine. Merci à tous. Salut. Ciao.